Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé aujourd'hui une réunion du Haut Conseil de sécurité. La réunion a été consacrée à l'évaluation de la situation du pays, notamment sur les plans politiques et économiques, ainsi que les dernières évolutions au plan régional et international, après avoir écouté les interventions des membres du Haut Conseil de sécurité sur les questions à l'ordre du jour. Le président de la République avait instruit à l'effet de prendre les mesures nécessaires en vue d'insuffler d'abord une nouvelle dynamique à l'économie après la crise qu'a connue ce secteur et la chute des prix du pétrole en raison de la pandémie du coronavirus. Les mesures visent également à encourager les producteurs à travers l'implication des secteurs publics et privés. À cette occasion, le président de la République a salué les efforts consentis en vue de préserver la stabilité en dépit d'un environnement régional compliqué et tendu. Et puis au terme de la réunion, le chef de l'État a insisté aussi sur la nécessité de maintenir la vigilance à son plus haut niveau en vue de permettre à l'Algérie de traverser les prochaines échéances et être en mesure de relever les défis de l'année en cours, de cette année 2021, dans une conjoncture marquée par des évolutions sans précédent sur le plan régional voisin.